Est-ce que vous croyez que Dieu peut être à la fois un Dieu infini dans sa puissance et sa grandeur et à la fois s'intéresser à nous personnellement comme individus? Oui, oui, je pense que oui, il est capable de faire les deux. S'il y aurait un Dieu, sûrement qu'il serait comme ça. Ouais, j'y crois à ça. Oui. Oui, je crois. Bien, que ça intéresse à moi personnellement, c'est difficile de dire personnellement, mais c'est comme un peu un premier ministre. Il s'occupe de son pays et non de chaque individu. Mais le fait de s'occuper de son pays, chaque individu en récolte le bienfait. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Questions d'homme et réponses de Dieu, nous allons parler d'une question qui est Dieu existe-t-il? Est-ce que Dieu existe? C'est une question vraiment fondamentale. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde en général, beaucoup de personnes remettent en question l'existence même de Dieu. Mais je pense que beaucoup de gens font erreur dans ce domaine-là, n'est-ce pas, Jacques? Oui. Est-ce que Dieu existe, Jacques? Oui, Dieu existe sûrement, Jean-Pierre. La question ne se pose pas pour moi. OK. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas nous prouver avec la Bible oui. que nous avons de bonnes raisons de croire que Dieu existe. Jacques, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'un aspect de ton travail, peut-être que les gens connaissent moins, c'est que tu animes, et même tu as mis sur pied, et tu animes un séminaire qui s'appelle « Soyons des hommes ». Oui. Oui, un séminaire « Soyons des hommes ». Et le but de ce séminaire-là, c'est d'aider les hommes à se découvrir comme étant des hommes, en tant qu'hommes, ce qui n'est pas évident dans notre société présentement. OK. Alors, c'est un séminaire qui se donne sur une base de 8 rencontres qui durent une journée chacune. Et qui vient de se terminer à Sherbrooke, justement une série la semaine passée. Et tout ça aboutit à un séminaire de couple, parce qu'on veut amener les femmes là-dedans avec les couples, etc. Et le prochain séminaire va avoir lieu à Saint-Élie-d'Orford avec 150 couples qui peuvent venir, et ça va être plein. OK. Bien, merci, Jacques. De toute façon, on se retrouve dans quelques instants. François, les personnes que nous avons entendues, auxquelles tu as posé la question de savoir si Dieu existait, ce qui m'a surpris un peu, c'était que c'était presque unanime. Les gens, en général, sont assez positifs avec ça. Oui. Mais notre échantillon est relativement restreinte. Moi, je travaille dans les cégeps avec les jeunes, et puis je m'aperçois que on peut virer ça de bord. Là. La majorité se disent athées. Je dis bien « se disent athées ». Un auteur, Rav Chalice, a écrit un livre qui s'intitule « Ça prend beaucoup de foi pour être athée ». Et effectivement, je pense que c'est tout un combat pour garder la foi athée. On me comprend? Oui. Est-ce que Dieu existe? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants avec Jacques Marcoux. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons aller vers la chronique « La Bible répond ».